Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Crew. L'histoire, on va continuer. J'ai été contacté par un bonhomme inconnu, je pense qu'il vous reparlera dans le show tout de suite. Donc je vous laisse l'écouter et tout de suite. Apparemment non. Donc apparemment c'est la main... Enfin, c'est... Ouais, on va dire ça. C'est le bras droit du grand Manitou. C'est Mallette, qui m'envoie une mission. Valchère, on dirait. Ouais, je peux propre vie. Et elles sont extrêmement fragiles, alors conduis bien. Ok, pas de problème, je suis en route pour l'aéroport. Rendu. Dépêche-toi, j'ai besoin de cette mallette rapidement. Donc j'ai fait quelques missions entre temps. Fais gaffe, ce bateau m'a coupé un bras. Salut Zoé, j'ai un problème là. Avec Harry? Non, c'est autre chose. Un type au téléphone me demande de livrer des valises qui ont l'air de valoir une blinde. C'est pas le bise habituel des 5-10. Et c'est qui? Aucune idée. Utilise un truc, on modifie sa voix. Je trace ce signal, on va bien voir. C'était un indicateur des flics, ça. C'est chelou, il me suit. Je distance petit à petit, mais c'est chelou quand même. Alors, faut pas que je casse, donc je vais éviter de faire la casse. Hein. S'il y a un seul abruti qui déboîte, je le tue. Parlant de boîte de vitesse. Ah, des boîtes, boîte de vitesse. C'est quand même chaud, chers amis. Hop. Il devrait être faisable. Voilà. Attention, non, bah, ces trucs sont irremplaçables. Oui, je sais, j'ai bien compris le principe. Irremplaçable, le fait. Le terme est assez étrange. C'est ce que j'en ferais pour un objet, vous voyez, assez ancien. Une antiquité, vous savez, qui vaut des millions, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Qui est unique, etc., etc., qui est inestimable, comme on dit. Qui est presque, de méga vont venir prendre le paquet. Bon, enfin un épisode qui démarre sur les chapeaux de roue, hein, voyons. Oh 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 oh, chapeaux de roue. Encore un seul point de gagné. J'aime pas ça, ouais. Mais on l'a en or. Ce qui est assez épique. Hop, bonus de freinage. Bon, c'est pas ce qui m'aurait le plus intéressé. Équipé. Parfait quand même, hein. On commence à être bon, chers amis. Malgré tout. Excellent travail. Merci. Je vais te suivre de près. Ah, au fait, j'ai zappé ton nom. Je te l'ai pas dit. C'est tellement un classique. Oh, il est beau, ça. Je n'ai pas pu obtenir de nom. Juste une adresse. Ah ouais? Un bureau du FBI. Quoi? Coburn? Coburn. Ça ne suffit pas, mais c'est un excellent début. Wow! Attends une seconde, c'est clair que Coburn va me reconnaître. Aucune chance. J'ai monté un faux dossier et comme je te l'ai dit, son point faible c'est les 5-10. Si t'as le tatouage, il te fera confiance. Mais c'est lui qui m'a arrêté le jour où Shiva a tué mon frère. Il a vu mon visage, il se souviendra de moi. Si tu le rencontres en personne, peut-être. Mais on aura assez de preuves pour l'arrêter bien avant ça. Oui. Alors ce qui veut dire qu'on va le rencontrer en personne. Quoi qu'il en soit. La map est toujours aussi gigantesque. Donc, on a des quêtes à différents endroits. Ça, voilà, elle est juste ici. Argent sale. C'est intéressant. Sinon, j'ai cru en voir une un peu plus haut, mais il me semble que c'est la dirt celle-là, c'est ça? Voilà. Intéressant quand même. Quoi qu'il en soit, on va commencer par faire argent sale. Parce que bon, c'est un beau nom, j'aime bien.
voyage rapide. Et elle commence pas loin du Pentagone. Ce mec, qui est assez cool. J'en ai plein les bottes de me faire des clopinettes. Faut qu'on vise plus gros si on veut rembourser les boss dans les temps. T'as une idée en tête, d'accord. J'imagine. Tu crois que je t'appellerai sinon? Vendu. J'aime comment tu me parles. Oula, j'ai eu un petit pet micro. Hop, attendez une seconde. Son sac est bourré de fric. Hop, voilà, j'espère que ça vous a pas pété les oreilles. Et j'espère aussi que j'ai pas de problème de micro. Ouais, c'est le problème dans les rues ici. Les gens ont trop d'argent. Va lui proposer nos conseils financiers. Oui. Explose ce mec. Ne laisse pas s'échapper. Pas mon genre. Gagne du terrain. Ne voir surtout pas. N'empêche qu'il s'échappe. Hein. C'est bien, le lâche pas. Frappe-le encore, encore. Retiens pas tes coups. Je fais ce que je peux, à vrai dire, les deux seules fois où... où on a tapé, c'était un peu lui qui voulait qu'on tape. En fait, c'est lui qui m'a frappé, mais qui s'est fait mal, le pauvre. Non! Ah, ça c'est con. Oh, mais non, mais regardez-moi cette physique! Heureusement que lui il m'attend et que je roule comme une pine. En même temps, avec 10% de 10 points de vie, j'imagine qu'il peut pas. La voiture est pas en super état. C'est un petit con. Oh la vache, je suis mauvais, je suis mauvais. Là, j'ai passé toute ma vitesse un peu trop vite. Je vais donner un petit coup de pouce. Voilà! Oh l'arbre! Oh l'arbre! Oui! Superbe! Ma voiture qui passe juste à côté. Ma voiture! Va-t-elle se reconstruire? C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle se reconstruit petit à petit. Elle se reconstruit. Clairement. Regardez la tronche de la caisse maintenant. Oh, cinématique. Ah, mon copain. L'as eu ? Bah oui. Ouais, je l'ai eu. Bon, je vais passer prendre le paquet. Allez, retourne bosser. Oh, trou du cul. Parle-moi meilleur. Hein, merde. Il y a 805 km déjà. Ok, vendu. Bon, bah on avance bien. C'est sympa tout ça. Alors. On va aller se mettre spécialement en mission scénario. Donc voilà, j'ai le perf. Vous voyez que c'est débloqué en bas. On va pas y aller tout de suite. On va plutôt aller là. Et on va la faire. Ah, on peut pas voyager, je suis pas encore allé là. Bon, on va se mettre là alors. Oui, c'est les désavantages de jouer avec le levier de vitesse. La croix est très très peu précise. On n'est pas avec ça le gaz, mec. De quoi laisse tomber. Eh, hey, je suis en vacances dans le nord et je m'emmerde à crever. Ça tente une course de dirt, histoire de rigoler un peu. Tu me demandes de te divertir. Il y a un paquet de fric à se faire. Et il y a des gonzesses aussi. Pour un peu de fric, je dis pas non. Oh, quel homme vertueux. Alex, mon dieu. Tu me diras, au point où t'en es, si jamais tu te fais un peu de fric, tu pourrais te faire des filles avec le fric, alors bon. Bon, après, ce sera pas la même qualité, à mon avis. Mes excuses au syndicat des péripatéticiennes
française au SPF. Bon, j'aurais rien eu, c'est pas grave. On progresse. Alors, il faut savoir que j'ai malgré tout pas beaucoup roulé avec la dirt. Hein. On va bien voir ce que ça donne. Il y a l'air d'y avoir vachement de filles. Hein. C'est pas grave. Donc vaut mieux que j'ai l'or si je veux avoir quelque chose d'intéressant. Montre un peu ce que tu sais faire avec cette caisse. Oui, monsieur. Ah non, pas avec celle-là. Ah non. C'est parti. Faites-nous gagner du fric. La mini. Elle va me vendre du rêve, cette voiture. Voilà, je coupe la porte. Putain, t'es super doué. Pas plus que ça. J'essaie juste d'être tendre avec mon volant. Ce qui, crois-moi, n'est pas chose aisée. Surtout quand une mini te colle au cul. Et elle fait pas mine, hein. L'air, prendre la clé des champs comme on dit aussi. Oula, elle est partie en dérapage pour une raison que je ne comprends pas. Je crois que j'ai compris la raison. Ouais, tu les massacres. Non, pas tant que ça. Non. Je crie comme une fillette, chers amis. Non. La clé des champs ne nous appartient plus. Mon Dieu. Il est juste derrière. Plus très loin. Un ours. Il me collait au cul, chers amis. Nom de Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Hein. Et encore un seul point de capacité alors que j'ai 20% de chance d'en avoir plus. C'est pas ce qu'il y a de plus important. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai changé d'avis que j'ai misé sur toi. Salaud. Quoi, tu pensais miser contre moi? J'ai changé d'avis, je te dis.
Ok. Omar, s'il vous plaît. Un paquet de fric à faire. Il faut contribuer à la fondation maintenir Eric Tsu en vie à tout prix, ouais. C'est un but non lucratif. Réduction d'impôts garantie. Oh, ah, il me plaît cela, dis donc. On va cependant aller mettre quelques points dans notre garage, chers amis. Hop. Peut-être la réparer un coup pour voir. Ouais. On en a bien besoin. Bonjour messieurs. Bonjour mademoiselle. Alors, nous avons deux points à mettre. Deux pour cent d'argent en plus. On est à 176 000, chers amis. 176 000, autrement dit, avec la l'Aventador, qui est un objectif personnel qui me plaît beaucoup. J'imagine que tout le monde va vouloir la même voiture, mais bon. L'Aventador et le Hummer, en fait, sont mes objectifs personnels. Et donc l'Aventador est à 570 000 bucks et le Hummer est à plus d'un million. Donc, on n'y est pas encore, chers amis. Anyways, on va sortir. Alors, petite question, est-ce qu'il me rapporte la volonté? Parce que j'ai fait entrer, en fait. Non, lui-même est là. Why not? Donc, il semblerait qu'on ait le problème Harry et dans le besoin. Eh ben, on va commencer par le problème Harry. On va passer ici. Et je pense que ce sera donc la dernière course de cet épisode. Ça fera trois courses. Salut Alex, il se passe un truc bizarre avec Harry. Me dis pas qu'il essaie encore de te draguer. Non. Il m'a dit qu'il devait aller chercher des pièces au garage. Sa voiture n'est pas là-bas. Attends, tu lui as collé un mouchard? Cette opération est trop importante. J'ai pris des précautions. En plus, il est salement endetté. Pas savoir dans quoi il s'est fourré. C'est n'importe quoi. Il fait une course, ça se trouve. Il avait sûrement autre chose à faire, je sais pas. Mais... Peut-être. Peut-être pas. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'était là, excusez-moi. En train de me demander ce que pouvait faire Harry en fait. C'est parti. Alors, effet, estimant qu'un checkpoint, il est de retour sur la route pour revenir dessus. Ouais, why not. Je te l'ai dit, il n'est pas dans le garage. Et comme je te l'ai dit, je connais Harry depuis toujours. C'est comme un père, il est de notre côté. Alors il n'a aucune raison de mentir. Ta connexion déconne un peu. Évite les boss ou tu risques de perdre les données GPS que je t'envoie. Mais forcément. Rejoins Harry avant qu'il s'en aille. Forcément, pile le moment où je mets le truc pour avoir les lignes et tout. Donc là d'ailleurs on la voit la ligne je crois. Elle me dit, attention, évite les boss, tu pourrais perdre le GPS. What? C'est mignon par là. Désolé pour les barrières. Ça a l'air d'aller au niveau des boss. Voilà, est-ce que c'était un truc entre guillemets implicite pour me dire prends les boss, tu vas gagner du temps. Et sait-on jamais. Hein. C'est sérieux là.
Lex, tu ferais bien de te bouger avant qu'Harry ne soit plus là. Dommage. On reprend. Rejoins Harry avant qu'il s'en aille. Ça, c'était très mauvais. Là, on gagne du temps comme on peut, hein. Désolé, monsieur le tracteur. Heureusement qu'on devait faire... À chaque fois que je dois terminer une course... Pourtant, les pièces étaient plutôt bien passées. À chaque fois que j'ai terminé un épisode, je me plante. C'est con. Rejoins Harry avant qu'il s'en aille. T'es sérieux, là? Sans commentaire, les amis, sans commentaire. J'ai pas envie de perdre Harry, moi. C'est lui qui est censé nous sauver de Voldemort. Point, 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 point. Oh, mais c'est horrible, le retour de force est tellement fort que le volant se barre en fait. Non, je l'ai. Alex, tu ferais bien de te bouger avant qu'Harry ne soit plus là. Je fais ce que je peux. Grognasse. Il faut dire que tes bip bip ne m'aident pas du tout. Ça va pas être possible pour celui-là, je pense. Ah, je suis dessus. Elle est chaude cette course. Rejoins Harry avant qu'il s'en aille. Allez, on va dire que celui-là a été bien négocié. J'ai envie de chanter une chanson de Gun, enfin de Phillips. Gun.
Give me reasons to believe. Believe que je peux le faire, hein. Croire que je peux le faire. Je te l'ai dit. Rejoins Harry avant qu'il s'en aille. Je fais ce que je peux, grognasse. Enfin, étant donné qu'on est en voiture, je vais dire plutôt je fais ce que je peux, grognasse. Alors arrête de faire ta tête de Delco. Faut bien que je rigole à mes propres blagues, hein, sinon personne ne veut le faire à ma place. Hein. Normalement, à ce moment-là, je suis à peine à 6 secondes. En fait, la trajectoire devient gênante. Vous voulez savoir pourquoi ? Ben voilà, j'ai à peu près 6 secondes d'avance par rapport. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, on demande à la suivre tout seul, inconsciemment. Et elle ne nous affiche pas forcément les... Comme elle ne nous affiche pas en tout cas le freinage. Et ben on se bloque tout seul. Il est... Parce que du coup on conduit à notre manière. Mais en suivant pas forcément la ligne qu'on aurait prise. Alex, pour ceux qui comprennent. Tu ferais bien de te bouger avant qu'Arine soit plus là. Où est-ce que je veux en venir? Oui, madame. Oui. Donc bon, ouais, peut-être que je réinitialiserai tout ça pour pouvoir me permettre de faire ce que je veux. On verra bien. Envoyer la pièce au QG. Apparemment mon score était pathétique. C'est pas grave. Il faut dire qu'elle colle pas trop à la route en fait cette voiture. Alors, où était Harry? Dans les bois en train de chasser? Qu'est-ce qui se passe? Je te l'avais dit, rien. Il a une copine. Il fait quoi là? Tu sais quoi? Je me tire. C'était juste ça? Are you the motherfucking serious? Non, parce que moi, j'ai quand même envie d'aller le voir, le Harry. Désolé de te déranger, mon pote, mais. On va finir l'épisode là-dessus. Bah, où elle est ta voiture, mon pote? Ok, tu es déjà disparu, tu es un vrai petit lapin. Bon, quoi qu'il en soit les amis, on va mettre fin à l'épisode là-dessus. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vérisé s'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter si vous voulez me donner vos conseils, vos astuces ou encore participer à une session de tournage The Crew ou quel que soit d'autre le jeu que vous voulez me proposer. Moi je peux toujours voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, donc tous les jours 3 vidéos. Et moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut les gens!